Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle page de Scrap. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Enfin, longtemps, hein, je ne sais plus exactement combien de temps, mais moins d'un mois, ça c'est sûr, je pense. Bref, voilà, je passe les excuses habituelles, je n'ai pas vraiment d'excuses, j'avais juste la flemme. Et voilà. Tout simplement, vous savez que je suis très franche et voilà, je vais pas inventer des excuses mirobolesques s'il n'y en a pas vraiment. J'avais tout simplement la flemme. Donc voilà, alors sachez que j'avais la flemme, mais à chaque fois je m'en veux de ne pas faire de vidéo. Franchement, j'aime tellement ça et j'aime votre interaction que j'ai la flemme, mais ça me manque. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et voilà, mais bon. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? En tout cas, là, je suis bien motivée à faire cette voix off. Je vous avouerai que j'ai scrappé hors caméra, hein, sans filmer. J'avais besoin de ça. Franchement, j'ai la flemme de filmer et de faire les montages, mais pas la flemme de scrapper, c'est ça le pire. Mais comment? Je disais ça pourquoi? Je ne sais plus. Ça va aller. Mais voilà, donc oui, donc je disais, j'avouerais que c'est vraiment le montage qui m'ennuie un petit peu. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire des efforts. Je veux dire, je peux pas avoir une chaîne YouTube sans aimer faire les montages. Donc il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses, y a rien à faire. Je sais pas pourquoi, pour l'instant, j'ai vraiment une baisse de motivation, pardon. Au niveau des montages, voilà. Mais une fois que je le fais et que je l'ai fait, je me dis, ben voilà quoi, il y a rien de compliqué. Pourquoi il y a des fois où je me dis faire le montage. Mais bon, bref, passons à autre chose. Donc là, je suis en train de scraper une photo de mes frères et sœurs. Alors c'est une, il y a deux photos, pardon. Donc il y a une photo avant, une photo après. La photo d'avant date de plus ou moins 10 ans. La date exacte, je ne sais plus dire. Donc, j'ai mis sur ma page plus ou moins 10 ans après. Alors, sur cette photo, vous allez pouvoir remarquer que sur la petite photo, donc qui date d'avant, c'est une. On est 5. Et sur la photo d'après, on est que 4. C'est parce que sur la, 5, la photo d'avant, il y avait mon demi-frère. Enfin, mon frère, hein, parce que. Il n'aime pas trop quand je dis demi. Mon frère n'était pas présent donc pour la deuxième photo. Mais on voulait vraiment faire une photo avant-après. Parce que j'ai plaisir à dire que avant nous étions beaux et minces et maintenant nous ne sommes plus que beaux. C'est vrai que quand on regarde bien les photos, on a pris sacrément du poids. Chacun, hein. Bref, on va éviter le sujet. Mais bon, voilà, moi personnellement, je me sens bien comme je suis. Je me sens bien à partir du moment où je dois rester habillée, disons. Si je dois commencer à aller à la plage, à la piscine, c'est vrai que je suis un peu complexée. C'est surtout parce que je pense que je suis flasque. Voilà. J'aurai le poids que j'ai maintenant, mais plus ferme et musclée. Je n'aurai aucun souci parce que moi, j'ai un gros popotin. Hein. Pour les personnes qui m'ont déjà vu en vrai. Voilà, mon popotin est disproportionné par rapport au reste. Alors, ça a toujours été. Par exemple, je vais vous dire, je fais une taille 44 et je fais pour l'instant 83 kilos. Pour vous dire, je vous explique, hein, pour vous mettre dans le contexte. Et quand je faisais donc 64 kilos, donc 20 kilos de moins, je suis descendue à une taille 42 au niveau pantalon. Donc, pour vous dire qu'avec 20 kilos de moins, je garde quand même mon gros popotin et j'avais perdu une taille pour les pantalons. Alors au niveau des blouses, par contre, là c'est un autre délire. Quand je faisais 64 kilos, ben voilà, je pouvais prendre du 38-40. Maintenant je suis entre 42-44. J'ai dû prendre une taille 44 au niveau de la blouse. Donc voilà, vraiment pour vous dire que voilà, j'ai beau être plus mince, j'ai quand même un gros popotin, mais j'aimerais vraiment pouvoir un peu muscler tout ça. Je me sentirais un peu mieux et un tout petit peu maigrir, allez, disons 5-6 kilos. Je perdrais 5-6 kilos, je me sentirais peut-être mieux dans ma peau.
Mais bon, voilà, ce n'est qu'une histoire de poids et compagnie. Alors, je me sentirais mieux dans ma peau, déshabillée, bien évidemment, parce que habillée, je n'ai pas de complexe, je suis pas complexée pour dire, je suis pas mal dans ma peau non plus pour dire. C'est juste, ben voilà, quand je dois me mettre en maillot de bain ou voilà, je vais à la mer, à la piscine ou autre, je suis un peu, voilà quoi. Bon. Voilà, pour le petit racontage de life, hein, il est fait, le voilà. Alors, vous avez pu voir que j'ai pris une petite enveloppe. Alors, c'est des petites enveloppes que j'ai trouvées chez. Je confonds à chaque fois, je ne sais plus si c'est Ziman ou Wibra. C'est des magasins qui se ressemblent quand même pas mal ici en Belgique. Je ne sais pas si vous les avez, vous, en France. Mais voilà, ça fait partie d'un des deux magasins, en tout cas. Je vous en ai déjà mis de toute façon dans une enveloppe, l'enveloppe que je vous fais gagner. Mais qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui, donc j'ai voulu utiliser cette petite enveloppe. Alors, vous allez me dire, pas besoin d'en acheter toutes faites, on sait les faire soi-même. Mais bon, voilà, là, c'était vraiment pas cher au Wibra ou Ziman, hein, je ne sais plus. C'était genre 1 euro le paquet. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un. Donc, il y a 4 enveloppes, des petits cœurs, des étoiles et des petits mots. Donc, franchement, c'est un beau petit set que j'avais trouvé comme ça. Hein. Ça m'arrive des fois d'aller. J'avouerai qu'à chaque fois que je vais chez Ziman ou Wibra, c'est vraiment pour aller voir le matériel scrap. Alors, ils n'ont pas toujours des nouveautés, mais quand ils ont des choses, ben, en général, c'est vrai que c'est des belles petites choses. Un peu comme le set là, bref. Alors là, je suis en train de coller. Je mets du poids sur ce que je colle, hein, parce que c'est. Il faut le temps que ça sèche, hein. La colle action, toute colle en général, de toute façon, à part si vous prenez une colle bien spécifique, forte, un séchage rapide. Alors là, je fais un tamponnage, donc il est marqué numéro 1, précieux souvenir. J'ai voulu le faire sur du papier calque. Alors, je n'ai pas utilisé la bonne encre, j'ai un peu ramé, j'ai sali mes doigts, j'ai sali ma page, j'ai tout sali, avec ça. J'aurais dû, je pense, prendre une encre plus du type Stazon ou autre. Parce que là, j'ai pris ma Versa fine. Et donc, ça ne séchait pas. Ça a été un peu galère, j'avouerais. Mais bon. Bref. Alors, je l'ai fait en double pour vous en mettre un dans l'enveloppe. Mais j'ai abandonné l'idée. Sinon, j'allais tout cradosser dans l'enveloppe. Donc, tant pis. Hein. Je vous donne dans l'enveloppe la version papier du tamponnage. Alors là, j'ai fait des tamponnages sur le haut à droite et sur le bas à gauche. Je sais pas, je voulais donner vraiment une dynamique qui partait vraiment du bas à gauche vers le haut à droite. Je sais pas, j'avais envie de donner cette dynamique-là. Pourtant, les photos ne n'ont pas vraiment une dynamique bien précise vu qu'on regarde bien en face de nous. Et voilà, mais voilà, j'ai envie de vraiment donner une dynamique comme ça sur toute la page. Et donc, voilà ce que j'ai fait, tout simplement. Alors, j'ai pris une collection que j'essaye de terminer. Alors, franchement, quand je l'ai achetée parce que je la trouvais super jolie. Puis, quand je l'ai reçue, je me suis dit, zut, je vais quand même avoir du mal à l'utiliser. Et figurez-vous qu'à chaque fois que je fais une réalisation donc avec cette collection, donc c'est la collection Flourish de Crate Paper, eh ben je kiffe. Je sais pas, j'adore. J'adore cette collection, elle est vraiment jolie. Je la termine petit à petit. Au niveau des pages 30-30, je n'en ai plus. De toute façon, je n'en avais pas pris beaucoup. J'avais peut-être pris deux ou trois pages au grand max, et encore, je suis même pas sûre. Mais franchement, je suis agréablement surprise de cette collection. Moi qui avais un petit. J'ai eu quand même un petit recul en me disant, zut, ça fait quand même un peu vintage, je vais avoir du mal parce que ce n'est pas mon style au départ. Et bien finalement, j'ai quand même réussi à faire de belles créations avec cette collection et je n'hésiterai pas à reprendre une collection dans ce genre quand j'aurai terminé celle-ci parce que franchement, j'adore. J'adore. Voilà, ben. Voilà, hein, qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus. Vous allez voir aussi sur cette création, peut-être à la fin quand je vous laisserai en musique, j'ai fait des gaffes quand j'ai fait mes enamel dots avec mes nouveaux drops là.
J'ai mis mon doigt dedans. J'ai fait des cracra-cracra-boucha. Vous allez voir que je vais mettre des cœurs et compagnie pour un peu cacher la misère. Et franchement, cette page-là a été un peu chaotique niveau saleté. Entre le tamponnage sur le. Comment? Sur le. Sur le calque et le nouveau drop où j'ai foutu mes doigts dedans, or que ce n'était pas sec, je pense que j'aurais pas pu faire pire. Mais bon, il y a toujours moyen de rattraper. Et puis, de toute façon, du fait main, ce n'est jamais parfait. Vous le savez. Donc, ben voilà, en fait, je n'ai plus grand-chose à dire sur cette page. Le tout est en images. Il vous reste 5 minutes à visionner. Je vais vous mettre de la musique. Music. La fille qui ne sait pas chanter, mais qui chante. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Voilà donc, ben, j'espère que je vais vous faire une vidéo pour vendredi prochain. Hein. Je vous dis donc à vendredi prochain si tout va bien. Hein, si tout va bien. Là, je suis motivée. Je pense que j'ai la motivation qui revient. Ça y est, je sens qu'en faisant cette voix off et vous parler comme ça, enfin, vous parler, là tout de suite, je parle dans le vent, hein, mais le fait de vous parler et que je sais que je vais avoir des retours, ça motive. J'ai envie, mais je ne fais pas de promesses. Je me suis promis de ne plus faire de promesses. Vous avez des vidéos quand elles viennent. Bref, donc, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis. À la prochaine. Salut. Mouah.